Ok, boum! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, n'hésite pas à liker, à t'abonner et petite cloche de notification. On se retrouve pour la suite de l'événement Fictionnel. Alors, MiYoYo nous régale sur cet événement. C'est juste génial. L'apport en énergie, résine et loot en boutique, en fait, consommable en boutique. C'est juste génial. Donc, dès la partie 1, avec les énergies supernova et les quêtes qu'on faisait, on pouvait drop les énergies supernova. C'est les petits cristals. On pouvait déjà acheter les fragments et des livres pour monter l'XP de vos personnages. C'était juste génial. Pour ma part, moi, j'ai tout pillé. J'en avais même en plus. J'ai acheté de l'or et voilà. Partie 2, on gagne de l'essence astrale qui vous permettra d'acheter des livres pour augmenter les compétences, ainsi qu'une couronne et des cristaux d'amélioration d'armes. Que demande le peuple en plus? Donc voilà, juste génial. Pour ça, vous allez pouvoir farm les astres prédestinés qui rapportent 50 par 50. Donc c'est juste génial. Par contre, le coût, 40 résine de brou. Mais ça vaut le coup. Plus entre vous et moi, vous savez très bien que c'est galère à farm ces petits livres. Non seulement il y a les jours qu'il faut respecter, il y a la résine, V de résine, et on gagne pas beaucoup, on gagne pas des masses en fonction du level de votre monde et en fonction de quel donjon vous faites, mais peu importe, ça reste pareil, on gagne pas des masses. Donc profitez-en, même si vous n'avez pas encore le personnage, c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre, comme j'aime à dire. Prenez-le, mettez-le de côté, comme ça quand vous allez pouvoir drop un autre personnage, vous aurez déjà les livres. Et vous serez bien content d'avoir farmé cet événement. Donc voilà. Et ce n'est pas tout, les bros. Ce n'est pas tout. Puisque le plus important, on a Fischl gratuitement. Je répète, les free-to-play, on a Fischl gratuitement. Je répète, les whales, on a Fischl gratuitement. Bref. Donc, Fischl, très 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 bon personnage en plus. Et je rappelle que même si vous l'avez déjà eu, c'est pas grave. Vous pouvez la constellationner, c'est-à-dire l'avoir C1, C2, C3, etc. Pour ma part, je l'aurai C3, plus de dégâts sur Oz, ça fait toujours plaisir. Donc, petit showcase aussi sur Fischl Avenue, hein, si vous voulez, je vais vous montrer un peu ma Fischl. Je vais vous montrer également aussi un peu mes personnages que j'ai, comment j'ai mis ces stuff. Ça peut vous donner des idées, ça peut faire plaisir. Donc, Fischl gratuite, raison de plus pour farmer, les bros, ne perdez pas de temps, allez farmer pour avoir votre Fischl. Mais revenons un peu sur l'histoire, les bros, revenons un peu sur l'histoire. Je sais pas si vous avez vu. Escarmouche, on ne sait pas encore comment l'appeler, bien qu'on nous a donné son nom, mais je ne sais pas encore comment ça se prononce. Voilà, vous savez que les prononciations et moi, c'est toujours difficile. Donc voilà, mais revenons sur le personnage qui a l'air super, super badass, au final, hein, sous son apparence d'air d'ange. Je ne dis pas plus, j'ai coupé en plus exprès pour vous laisser apprécier ce qui n'est pas encore vu. La cinématique de quand il apparaît et tout, c'était assez stylé et tout. Donc, mais je ne sais pas si ce sera jouable ou pas. Donc, on a peut-être potentiellement un nouveau personnage qui va arriver jouable. Donc, on rappelle qu'il y a Zhongli qui sort prochainement. On aura potentiellement Xiao aussi qui sortira après la bannière Zhongli. Et ensuite, Escaramouche ou Escaramouche. Ou peut-être qu'il sortira avant Xiao aussi. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. De toute manière, on n'a plus droit au leak puisque MiYoYo a fait des restrictions sur tout ce qui était leak et certains YouTubeurs se sont vus même striker leur compte. Donc, très délicat. Attention aux youtubeurs qui postent des leaks à présent par rapport à MiYoYo. Donc, on va devoir attendre que MiYoYo nous laisse en savoir plus. Mais très, 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 très intéressant. Très énigmatique et charismatique le personnage. Donc, hâte de voir si ce sera jouable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. On sait qu'il sera électro. Donc, à voir. Je ne sais pas. À voir. Et ben, j'ai hâte de voir aussi ses compétences. Donc, c'est un personnage méchant. Attention, spoil, désolé. Donc, hâte de voir tout ça en tout cas. Escaramouche, on en saura plus après. Donc, voilà. Donc, on rappelle un événement très, très, très rentable au niveau de la résine. Je vois certains qui vont venir me dire que ça coûte cher, 40 résines. Mais non, les bros, dépensez votre résine dedans. Je vous le garantis que c'est super rentable. Si ce n'est pas le cas et que vous regrettez par la suite, je vous autorise à revenir sur la vidéo et mettre un petit dislike. Non, mais blague à part, c'est super rentable. Faites-le. En plus, c'est super fun à faire. Hein. Donc, on peut faire seul ou à plusieurs pour former l'essence astrale. Privilégier de le faire à plusieurs, c'est toujours plus fun, comme j'aime à dire. Donc, voilà. Et en plus, je ne sais pas si vous voulez du fourneau élémentaire, ça peut être du même style, mais avec plus de peps et plus de difficultés. Donc, voilà. Donc, formez-le seul ou à plusieurs, mais à plusieurs de préférence. Donc, dernière petite chose, les bros, mais qui a son importance. Pensez à faire vos quêtes quotidiennes. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont bloqué là. Ben, on t'a trouvé. À nous les Moras, à nous les primogèmes.
et à nous la monnaie pour acheter dans la fameuse boutique qui est super rentable, on le rappelle. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, petite cloche de notification. Et on se dit à très bientôt. Boum!